Et salut tout le monde, c'est Kanou, on se retrouve aujourd'hui sur FC24 pour la simulation de l'Euro 2024. On est avec la Belgique et la Slovénie, si je ne me trompe pas, non c'est la Slovaquie. C'est vrai qu'avec Slovénie, Slovaquie, Serbie, c'est un peu tous les mêmes drapeaux et les mêmes lieux en plus. Du coup, aujourd'hui Belgique, Slovaquie, je pense que la Belgique va gagner et vu le peu de buts qu'il y a depuis le début, je vais dire Belgique 1-0. Cette fois-ci, je tente pas le diable. Ouais, je vois la Belgique avec un petit score de 1-0, un seul petit but. N'hésitez pas vous à dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, ouais, je pense qu'on n'ira pas plus que 1-0. Hein. Il y a pas beaucoup de buts, hein, vraiment. Dans cet euro, en tout cas dans mon multivers, parce que dans le nôtre, il y a quand même pas mal de beaux jolis scores, je trouve. Donc là, on verra bien. La Belgique qui est pour le moment un peu sans le ballon. La Slovaquie qui garde bien ça au pied, sauf maintenant. Faut toujours que je dise une petite phrase comme ça et derrière, il se passe totalement l'inverse. C'est-à-dire que si je dis « Oh, la Belgique, elle est que en défense, elle marquera jamais », hop, il va avoir une transversale et ça va être but. C'est pas totalement ça, mais déjà, voilà, c'est arrivé déjà plus haut. Oh, Lukaku qui se fait manger, ce qui est assez bizarre pour Lukaku qui est assez physique. Voilà, encore Lukaku. Allez, vu De Bruyne, il l'a pas donné. Bon, Lukaku, on le connaît, hein, un petit pétard de loin, on n'en parle plus. Il y va, hein, il veut pas donner le ballon. Ah oui, là c'est passé! Dommage! Vraiment dommage, très bel arrêt du gardien. Allez, De Bruyne au corner. Ça va être indirect et ça, on aime bien. Sur Lukaku, ses buts. Oh, le corner n'était pas crade, hein, il était plutôt pas mal. J'adore la tenue des Belges, vraiment. Ou hors-jeu. Oui, hors-jeu. J'adore la tenue des Belges. Hein. Le style Tintin me plaît beaucoup. Pourtant, je suis pas forcément un grand fan de Tintin. Mais j'aime beaucoup. Je me demande c'est qui celui avec les grands cheveux, c'est Faes, c'est ça? Ah oui, c'est lui. Ouh, ça peut, hein. Ouh, dommage, j'aurais peut-être dû faire la passe au lieu de faire son petit gris-gris. C'est bien dommage pour lui. 32 minutes déjà. On envoie pour Courtois. Qui va devoir envoyer un gros ballon parce qu'il n'y a personne. Et De Bruyne qui opère le ballon aussi vite qu'il l'a eu. Et pour le moment, je trouve que la Slovaquie, bon, à part la frappe de la Belgique, arrive mieux à gérer le ballon. Allez, Doku. On le connaît bien, celui-là. Milan AC au compte Doku. Sabre rouge. Alors, par contre, je savais pas que Doku était belge. Donc c'est bien, des fois, de faire ce genre de simulation, comme ça, on s'en rend compte. Lukaku qui a été s'enfermé là-bas. Oh! Dommage! Dommage, dommage! Je pense qu'il voulait le corner. Au final, ça sera la mi-temps. Toujours 0-0. Alors, il faut savoir que j'ai mis le jeu en légende. Pour que. Pour que ce soit plus technique. Au final, je sais pas si c'est le bon plan, parce que. Très peu de buts. Très peu d'action aussi, ça se cherche toujours à faire des petits dribbles ou des gris-gris. Et ça ressemble pas vraiment à un vrai match de foot. Allez, là il faut envoyer, on donne, allez, triangle au fond, voilà, bien joué Lukaku. Là, c'est du vrai football. Et c'est Doku qui part. Ok, il est passé. Il est passé, ouh, c'est pour De Bruyne, c'est fini, et non! Ah, il s'est bien mis devant la balle, le défenseur slovaque. Et encore une fois, une deuxième grosse action pour les Belges, qui méritent, je pense, de marquer ce but, parce que vraiment, leur jeu est quand même plutôt pas mal. Oh, très belle défense, allez, on est parti. Là, faut que ça monte. Faut que ça monte, faut écarter. Ouh, ça c'est trop mal contrôlé, la balle qui est partie un peu trop loin.
Facile pour récupérer. Allez, là, faut presser, vous êtes à 3. Bam, voilà. Bon pressing, c'est récupéré. Dommage que derrière, il repart tout de suite au... Voilà, De Bruyne, allez, il est parti. Non, dommage. Voilà, les mouvements sont pas là. Très bien fait, ça. Faut essayer, hein, de toute façon. On est au centre, et là, faut tirer. Dommage, dommage. Les Belges qui sont trop... qui ont trop d'altruisme. Ils essaient de trop donner le ballon pour faire des passes. Faut marquer. Bon, désolé, j'ai dû couper en micro. J'ai été ennué, donc bon. Pour éviter de vous détruire les oreilles. Oula. Première attaque des Slovènes. Ça serait dommage que ça soit la bonne. Ça serait vraiment dommage que ce soit la bonne. Allez, un petit tir là, non, un petit tir, un petit tir. Ouh, Courtois, qui répond au gardien slovène en montrant que lui aussi peut tenir ses cages. Et c'est beau, c'est ce qu'on aime. Ouh, là-bas, c'est parti pour deux coups. Il n'a pas été vu, il est assez loin. On restera sur Carrasco. Il faut essayer, il faut essayer de venir. De Bruyne doit essayer de venir un petit peu plus au centre, demander le ballon. Alors qu'on approche de la fin du match, sur un 0-0, je pense. Oh, ça y est. Ils essayent. C'est un peu dommage, hein, parce que c'est les défenseurs qui essayent de monter avec le ballon. Et là, si on va pas de l'avant, c'est fini. Et c'est fini, il fallait aller de l'avant. 0-0 pour la Belgique et Slovaquie. Un match qui aurait quand même eu quelques actions, mais sans plus. En tout cas, les amis... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde!